Notre cerveau, pour fonctionner correctement, et bien il a besoin de se reconstituer, il a besoin de nombreux nutriments pour pouvoir fonctionner correctement, fabriquer les neurotransmetteurs qui nous permettront de réfléchir et d'agir correctement. Si on compare un petit peu notre cerveau, même notre corps, à une voiture, clairement, ça ne viendrait pas à l'esprit de mettre de l'essence frelatée dans le moteur de votre voiture, sinon vous savez qu'elle ne va pas fonctionner bien longtemps ou fonctionner mal. C'est un petit peu la même chose avec l'alimentation. L'alimentation, c'est le carburant de notre corps et notamment de notre cerveau. Après 2 jours sans sommeil, chez un adulte, on a une incapacité à affronter des apprentissages nouveaux et à s'adapter à un cadre défini. Donc c'est des choses qui sont très très importantes dans le cadre du travail. Dès qu'il y a une perturbation du sommeil, on est plus dépressif, on devient plus agressif, on devient plus impulsif, on est plus agité. On a tous un rapport un petit peu particulier au sucre. Le sucre, c'est donc le principal carburant du cerveau, mais le sucre, on peut aussi l'utiliser pour d'autres vertus. On s'habitue à manger des produits sucrés pour les vertus apaisantes et anxiolytiques du sucre. C'est maintenant assez clair qu'on peut développer quasiment une addiction aux produits sucrés. Et avoir un cerveau, entre guillemets, addict à certains produits, c'est avoir un cerveau qui fonctionne mal. Face à une menace ou à une contrainte, donc quand on parle de burn-out, on est dans la contrainte sociale, l'organisme va entrer dans une lutte, il va élever sa production de cortisol, et à un certain moment, cette production va s'effondrer, donc il n'aura plus le système hormonal pour faire face au stress, l'organisme va entrer dans un stade d'épuisement et va être incapable de faire face à la situation de danger ou à la situation de contrainte. Le stress, c'est un mot qui était utilisé par Sellier, qui à l'époque il venait d'Europe centrale, parlait mal l'anglais, il aurait mieux valu dire strain, c'est-à-dire contrainte, c'est ce qu'il a voulu dire. Et il avait conçu son modèle en observant qu'un certain nombre de personnes pendant la guerre de 14-18 mouraient sans avoir de blessures. Chaque message publicitaire qui est perçu, si vraiment il fait son job de franchir ses barrières attentionnelles et d'être vraiment pleinement perçu par le cerveau, savoir qu'il va immobiliser le cerveau pendant une demi-seconde, une seconde, voire plus longtemps, en déclenchant des cascades de processus cognitifs, de mémorisation, d'évaluation, etc. Donc ça crée une sorte d'aveuglement au reste du monde. Donc ça, il faut le savoir. Donc quand ça se multiplie, 400 fois 4 secondes ou 5 secondes ou 10 secondes, bon, ça fait quand même une fraction du temps où on n'est pas en contact vraiment avec l'intégralité de son environnement. Oui, professeur Bernard de l'Institut Général de Spécialistes, situé au-dessus de... Vous tournez à gauche, juste après la boulangerie, là, après l'impasse, voilà. Ah, les publicités. Non seulement les publicités monopolisent le cerveau sur un monde artificiel, mais il y a un deuxième effet. Le décalage entre la pub, ces films parfaits, décrivant un monde parfait, avec des images parfaites où l'on vous vend tout un tas de bonheur, la liberté, la nature, l'émotion, l'amour, et qui ensuite, mise face à la réalité, l'emprisonnement, la destruction de la nature, la haine. Face à ces états radicalement opposés, le cerveau humain... Le contre-pouvoir, c'est vous. Ne m'accusez pas, moi, de vous vendre des produits que vous ne voulez pas. Reprochez-vous à vous de vous laisser avoir si je vous ai eu. Je dis ça un peu cyniquement. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. L'hystérisation de la formation, ça répond à l'évidence de l'accélération de la société que nous vivons. Les informations tombe sans arrêt dans des quantités absolument inabordables. On disait dans le passé qu'avoir l'information, c'était avoir du pouvoir. En ce moment, l'information est absolument disponible. Le pouvoir, c'est qu'il y a la capacité de la gérer. On n'est plus tellement habitué à faire travailler notre cerveau sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un truc dont je ne me souviens plus, je prends mon smartphone... Je tape sur mon truc et j'ai la réponse immédiatement. Avant,
Il fallait que j'attende d'être rentré chez moi, de consulter un dictionnaire. Le paradoxe, c'est est-ce que du coup, je libère de la mémoire pour faire des choses plus intéressantes, plus intelligentes? J'en sais rien. Il y a des films de 2 heures où il y a un plan toutes les 3 secondes, même pas. Des blockbusters hollywoodiens, des Fast and Furious, des trucs comme ça, il y a un plan toutes les 2 secondes. Les gens étant submergés de temps court, toute la journée, un mec, un cadre supérieur qui va à son bureau le matin, il a 200 mails sur sa boîte de mails. L'information tombe sans arrêt, une nouvelle en efface une autre. Il n'y a pas de temps pour établir une relation avec une nouvelle, son contexte et sa vérité. Et en plus, l'information passe si vite que celui qui résiste gagne. Il y a une certaine reproduction du modèle consumiste. On achète une chose, mais quand on avait la chose, on pensait déjà à l'autre objet et comme ça successivement, c'était la relation. Et cette forme d'information, c'est un peu pareil, mais avec un élément encore plus grave. Tu ne peux pas retenir l'événement sur lequel tu t'avais fixé parce qu'il a passé déjà. Il y en a un autre occupant sa place, non? Et voilà, ça provoque une certaine hystérisation généralisée de la politique, de la société, de la vie en général, non? Lève la tête du guidon! T'inquiète, je maîtrise! Mais lève la tête du guidon! Mais t'inquiète, je maîtrise! Oh, 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 oh. L'humour n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait des philosophes un peu chiants, il faut qu'il y ait des bouquins épais et un peu rébarbatifs où on apprend des choses. On ne peut pas se suffire des amuseurs, c'est pas possible. D'autant plus que maintenant l'amusement il est soumis au prisme économique aussi, il est soumis au carcan économique. Si vous avez vendu un produit, ok, mais pourquoi vous n'en avez pas vendu 2? Et si vous en avez vendu 2, pourquoi pas 3? Et 3, pourquoi pas 4? Enfin, sans limite. Il faut continuer de travailler sur la compétitivité, le coût du travail, car c'est fondamental. Si on a un peu conscience des choses, on sait très bien qu'on ne pourra pas perdurer dans ce système. C'est pas possible. On a besoin de mise en perspective, d'arrêt sur image. Et puis il y a des gens qui sont dans une merde épouvantable, qui n'ont pas la capacité de poser d'autres questions que « vivrai-je encore décemment demain ?» Nous, c'est la réalité, c'est le pragmatisme, c'est le bon sens, c'est les comptes, c'est le compte d'exploitation. C'est les problèmes sont là sur la table, ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont rouges. C'est pas de la politique, c'est de l'économie. Ah, l'économie, la politique économique. Bonjour la soupe, mais inutile de se noyer dans un verre d'eau. La recette est simple. Incorporez des kilos de chiffres, allongez et réduisez avec diverses opérations. Et pour donner du goût, n'hésitez pas à saupoudrer de concepts un peu fumeux, comme celui de la croissance. C'est une mobilisation pour l'emploi, pour la croissance. Je réaffirmerai que la priorité, c'est la croissance. La question, c'est de focaliser sur la croissance. Le moyen essentiel de rembourser la dette, c'est retrouver la voie de la croissance. Croissance or not croissance? Zapti, je question. Professeur Bernard, spécialiste en économie d'économistes. Alors la croissance, c'est quoi? C'est quand ça grossit. Ça, tout le monde le comprend. Par exemple, vous avez des objets chez vous. Il faut de la croissance. Alors vous achetez encore des objets, vous en avez besoin, pas besoin, on s'en fout. Il faut de la croissance. Alors on accumule des trucs qui finissent soit dans un gros placard, soit dans la poubelle. C'est intelligent. Et comme la croissance, c'est un pourcentage par rapport à l'année précédente, une croissance de 3% par an, ça fait ça... Et à un moment, il faut que ça touche le ciel. Ouh! Hein? Pas compris? Prenons l'exemple du nombre de repas que vous mangez par jour, qui symbolise votre consommation générale dans tous les domaines. Une croissance constante de 3% par an fera que dans 20 ans, vous devrez manger 6 repas par jour. Dans 40 ans, 13 repas par jour. Chaque jour, la masse de nourriture que vous devrez ingurgiter augmentera. Tout ça pour soutenir la croissance économique. Tout le monde est d'accord sur le fait que la croissance est finie,
que le modèle qui consiste à penser qu'on peut satisfaire toutes nos aspirations avec un accroissement sans fin de nos consommations matérielles, et non seulement un modèle qui ne remplit pas sa promesse, qui est au contraire frustrant, qui débouche sur des inégalités de plus en plus fortes et qui dézingue complètement la planète. Donc ça, je crois que c'est maintenant relativement entendu, même si tout le monde ne l'entend pas encore. Voilà, c'est surtout ça la croissance. Mais pas que. La croissance, c'est que un beaucoup plus petit nombre de personnes fabriquent la même chose que ce que fabriquait un très grand nombre de personnes. C'est ça la croissance. Au fond, la croissance verte, c'est à la fois verdir la croissance et investir sur les technologies. Depuis 3-4 ans maintenant, il y a de nombreuses études qui se font jour sur l'impact des robots en termes d'emploi. Et grosso modo, je ne vais pas toutes les citer, il y a une étude d'Oxford qui a été très bien faite sur les États-Unis, qui dit qu'il y a 47%, donc quasiment la moitié des emplois qui existent actuellement aux États-Unis, qui seront remplacés d'ici 20 ans. Ces chiffres peuvent sembler complètement hallucinants, la moitié des emplois qui disparaîtraient en 30 ans. 20 à 30 ans, c'est pas si fou que ça. C'est une moyenne, parce qu'il y a certains métiers qui disparaissent à 90%. Voilà, effectivement. En plus, c'est une moyenne. Il y a des métiers qui seraient beaucoup plus menacés. Mais c'est pas si fou que ça. D'une part, c'est vrai qu'il y a des métiers qui disparaîtront complètement. On va prendre quelques exemples sans en citer des gens en particulier. Mais tout ce qui est, par exemple, les chauffeurs de transport en commun, on sait qu'aujourd'hui, la voiture autonome ou les transports autonomes vont apparaître. Alors il y aura effectivement de la résistance sociale, il y aura sans doute des frictions, mais en tout cas ils vont apparaître et ils vont progressivement remplacer ces emplois-là. Tout ce qui est des choses dont, par exemple, la préparation des burgers dans les fast-food, aussi particulier que ça puisse paraître, qui rassemble un grand nombre d'emplois au final, et bien, c'est aussi des choses qui peuvent être relativement automatisées. Il y a un grand nombre de fast-food qui aujourd'hui sont en train de robotiser leur cuisine. Les robots font mieux les piqûres que beaucoup d'infirmières. J'espère qu'il n'y a pas d'infirmières dans la salle qui prendront ombrage. Mais c'est comme ça. Donc il y a un certain nombre de métiers qui effectivement pourraient disparaître. Actuellement, à l'hôpital, on ne parle plus que d'argent. C'est-à-dire combien est-ce qu'on rapporte, combien est-ce que l'activité va rapporter, etc. Donc on a une grosse perte de notre sens au travail. Le sens qu'on y donnait avant, c'est-à-dire l'engagement pour les patients, maintenant n'est plus valorisé. Ce qui est valorisé, c'est le nombre d'actes qu'on peut faire dans une journée, dans une semaine ou sur une année. Moi, je vois les médecins, ça les excite de se dire alors c'est facile, de petite opération, c'est l'affaire de la journée, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'organiser pour faire une prothèse de hanche de la journée? Ça les excite comme défi, et les défis excitants, c'est quand même un bon moteur. Voilà. C'est des mots valises un petit peu la performance, effectivement, qu'on a tous envie de plus de qualité et de plus de performance pour nos patients. Actuellement, les hôpitaux reçoivent leur dotation en fonction des actes qui sont tracés sur chaque patient, selon leur lourdeur de pathologie associée et selon les actes chirurgicaux qui sont faits. On nous pousse à prendre en charge des patients sur un temps très court parce que c'est ce type d'activité en ambulatoire qui a été jugé rentable par les modes de tarification. Puis avant, on avait un travail qui était basé sur l'humain, et maintenant on a un travail qui est basé sur la rentabilité. Tous les acteurs, c'est pas que les médecins, les infirmiers décrivent la même chose, les aides-soignants, les cadres, les directeurs aussi, ils sont là pour appliquer une politique, mais eux aussi, beaucoup dénoncent cette perte du sens au travail, cette perte de l'humanité. Il y a aussi tous les métiers dont on parlait tout à l'heure, du respect de la norme, du droit, par exemple de la comptabilité, qui sont des métiers dans lesquels, au moins sur leur partie, sur une certaine partie des tâches, il suffit de se référer à un code, à un codex de loi, et ces lois, en fait, une machine peut les apprendre, et une fois que la machine les a apprises, elle les récite beaucoup mieux que ne le fait un être humain, parce qu'elle a une plus grande mémoire et qu'elle lui suffit d'aller chercher dans le cloud, dans une mémoire extérieure ou interne, ces informations. Et donc, si on formule bien sa première demande, elle est tout à fait capable de fournir une réponse beaucoup plus adaptée qu'un être humain. Donc, tous ces métiers-là, et c'est beaucoup de métiers, menacent de disparaître. Et donc, effectivement, l'hypothèse de la moitié des emplois d'ici 20 à 30 ans, elle n'est pas complètement délirante. Effectivement, les progrès de productivité fantastiques que nous apporte la digitalisation en particulier vont se traduire par de la croissance supplémentaire, mais il y a le phénomène de transition. Ça demande effectivement une modification extrêmement profonde de ce que font nos concitoyens, de ce que font les uns et les autres. Et ça, alors, c'est pas si facile quand la technologie et la science progressent à toute allure. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un roman de science-fiction, tellement la technologie évolue vite. Et effectivement, ceci exerce une pression énorme sur nos concitoyens.
Nous devons nous adapter à l'informatique, nous devons nous auto-former, bien évidemment, puisque pour gagner du temps, il n'y a plus de formation quasiment directement donnée par des personnes, mais ce ne sont plus que des modules d'auto-formation que nous devons faire nous-mêmes, pris sur notre temps de travail, bien évidemment, sachant que le travail, quoi qu'il en soit, doit être lui-même accompli, comme s'il n'y avait pas eu ce temps pris d'auto-formation. Mais en fait, l'humain se trouve broyé et l'informatique ne va pas lâcher, donc nécessairement, l'informatique a le dernier mot et l'humain est obligé de s'adapter. Quand on parle du burn-out, on parle d'une contrainte qui est prolongée, où la personne, à un moment, arrive à un stade d'épuisement et ensuite entre dans les réactions psychologiques autour de ce stade d'épuisement, c'est-à-dire l'impression de déshumanisation et l'impression que tout cela est vide de sens. Il faut savoir qu'entre 1970 et 2000, donc sur ces 30 années, la moitié des emplois qui existaient en 1970 n'existaient plus en 2000 et ils ont été remplacés par les emplois de service. Donc ce n'est pas un phénomène qui est totalement, donc on ne peut pas dépasser. La seule question c'est, est-ce que cette fois on est vers un mouvement qui va arriver tellement vite, qui va se produire en tellement peu de temps, que les êtres humains n'auront pas le temps de s'adapter et ne pourront pas faire cette conversion vers de nouveaux métiers? Donc ça c'est la première question. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est mais quels emplois il y aura après la robotique? Quel gisement d'emplois, vers quoi on va se reconvertir? Quels seront les emplois de demain? Je ne pense pas qu'on évitera le fait qu'il y ait à un moment donné des gens qui soient dans la perte. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, le fait de perdre ou d'être dans l'échec. C'est peut-être quelque chose qui nous permet aussi de prendre conscience et de ne pas simplement être dans une logique de capitalisation et d'accumulation. Moi, je ne vois pas un problème particulier dans le fait d'être entre guillemets perdant. Dès l'instant où ce n'est pas définitif, dès l'instant où on sait qu'il peut y avoir des retours, il peut y avoir des choses qui se reconquièrent par après. Alors pour l'être humain qui perd son travail, parce qu'il est remplacé, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a perte sèche à ce moment-là. En tant que tel, on ne peut pas le positiver, ça. Après, ce que le robot fait, il le fait parce qu'un être humain a programmé ce robot d'une certaine manière. Donc on n'a pas pour autant perdu l'humain en tant que tel. Enfin, on l'a simplement déplacé, on l'a remis à un autre endroit et finalement il y a peut-être aussi des transferts, des déplacements de profession et des mutations professionnelles qui font que pour construire ce robot, on aura peut-être besoin de 10 personnes alors que pour faire le travail que fait ce robot, il n'y a qu'une personne. En général, c'est quand même l'inverse. Maintenant, c'est vrai que c'est une perte sèche pour la personne qui est dans cette situation, c'est sûr. Pour contrarier ce phénomène, eh bien, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'initiative. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est de susciter le désir d'entreprendre, de faire surgir des lieux d'innovation. Ces pôles d'innovation, c'est des pôles d'emploi aussi. Et donc, ça va permettre de résorber en partie la difficulté qui se pose aujourd'hui, qui est que l'hyper-performance conduit aussi à économiser, au fond, le plus de main-d'œuvre possible dans des systèmes de plus en plus automatisés, quoi. Innovation rime avec solution, le rêve. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu veux des pépettes ? Mais pour avoir des pépettes, il faut que les recettes soient supérieures aux charges. Donc on recherche la rentabilité, on met des robots, on informatise, chômage, recyclage, dans un nouveau secteur d'activité qui lui-même va rechercher de la rentabilité, de l'optimisation, chômage, recyclage, dans un nouveau secteur d'activité, rentabilité, et il arrive un temps où les secteurs d'activité nouveaux, il n'y en a plus. Parce qu'on ne peut pas éternellement réinventer la lune. Et là, que se passe-t-il ? Le modèle de société arrive au bout du chemin, au burn-out. Mais ne soyons pas défaitistes. Il y a plein de partis politiques. Et ils ont des solutions. Hein ? Prenez tous les pays un peu importants. Les petits encore, probablement encore plus, mais je ne peux pas les prendre les impérieurs, mais tous les,
il n'y a plus de parti politique. Ça a disparu. Si vous pouvez me dire ce que veut dire droite et gauche, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire, ça ne veut tout simplement rien dire. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en démocratie, parce que quand on dit démocratie, on veut dire démocratie représentative. Le gouvernement actuel ou le gouvernement d'avant ou le prochain, il représente qui ? Je ne connais personne qui puisse vous donner une réponse sérieuse. Prenez la population française. Voici la proportion de ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Si on enlève la partie qui ne vote plus, parce que le choix médiatico-politique qu'on leur propose ne représente pas leur pensée, il reste ça. Et si on regarde les résultats du premier tour, le gagnant final représente ce groupe de personnes. On a donc ça qui représente ça. Forcément, tous les autres ont le sentiment d'être rien, de ne pas avoir leur mot à dire, de ne pas avoir d'influence sur leur vie, sur leur choix. Frustration. Et en même temps, qui a le pouvoir ? Je suis intéressé par la politique aussi parce que j'ai l'impression qu'elle perd pied face à des choses qui la dépassent. C'est-à-dire qu'en fait, nos politiques, à nous, aussi honnêtes qu'ils puissent être, parce qu'il y en a des politiques honnêtes, il y a des gens qui se mettent vraiment au service de la cité, mais l'économie s'impose aux politiques, la finance internationale s'impose aux politiques. On est tous au courant de ce qui se passe, on est tous au courant qu'il y a un empire financier qui est très difficilement contrôlable, on est tous au courant que la crise mondiale vient d'un laxisme et d'un laisser-aller au niveau des banques. Mais je pense que, hélas, dans le discours politique aujourd'hui, le citoyen s'en fout un peu. C'est loin de ses préoccupations quotidiennes. Bon, c'est vrai que l'économie, c'est pas mon fort. Il paraît qu'on est 50% des Français à ne pas savoir calculer un simple taux d'intérêt. Oh ! Pourtant, tout ce qu'il y a autour de nous, ça fait partie de l'économie. Tout a un prix. Et le meilleur moyen de ne pas se faire avoir, c'est de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On suit le troupeau ou on fait fonctionner le ciboulot ? Faut voir. Les politiques sont plus à même d'être élus avec des discours, on va dire, qui attirent le chaland, qui fonctionnent de façon efficace. Et donc, du coup, on laisse ce grand sujet très épineux et qui est quand même la base. Rien n'est fait. On nous fait des déclarations électoralistes, genre « mon ennemi, c'est la finance », c'est ridicule. C'est ridicule. Comment les gens peuvent... Enfin, là, je pense qu'on approche d'une période où forcément ça va changer, parce que sinon ça va juste sauter, quoi. Le capitalisme peut générer des grandes crises. On a soit des crises sectorielles ou géographiquement contenues. Par exemple, on avait eu ce qu'on a appelé la crise asiatique, ou alors le krach de la Russie ou de l'Argentine. Et puis on a des grands chocs majeurs. Et dans les grands chocs qui peuvent vraiment détruire le capitalisme, il y a les grands chocs déflationnistes. Déflationniste. L'inverse d'une période d'inflation, autrement dit, si dans une période d'inflation les prix augmentent, une période déflationniste est une période où tous les prix baissent. Ça arrive quand il n'y a plus d'argent en circulation, il n'y a plus de travail, plus de salaire, de revenus. Déflation. Mort de la rotation monétaire, mort de la société. Mort de la société. Mort de la société. Ça fait flipper, hein? Il y a les grands chocs déflationnistes. Le dernier a eu lieu dans les années 30 et on est sorti de cette crise que par la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que l'économie est suffisamment bien enseignée aux citoyens lambda ? En France, je pense que non. Il faut qu'on fasse des progrès pour faire mieux comprendre, en tout cas, la finance, ce que j'appellerais la finance, et même l'activité bancaire. Ce sont des choses qui sont très très mal comprises en France. Et je pense insuffisamment enseigné de façon pédagogique aux jeunes. Les critiques qui sont adressées
à la fois de la part d'étudiants comme d'universitaires à l'enseignement de l'économie et qui se traduisent d'ailleurs par plutôt une baisse des effectifs des étudiants en économie ne sont pas nouvelles. Les universités sont pauvres. Changer par exemple les méthodes pédagogiques, les modes d'évaluation des étudiants, ben, ça coûterait cher, ça demanderait du temps, ça demanderait du personnel et ça, il n'y en a pas. Donc il y a ça. Il y a une question de la formation et de la sélection des universitaires en économie eux-mêmes, qui sont eux-mêmes sélectionnés plus sur la recherche que sur l'enseignement, donc qui n'ont pas d'incitation finalement à améliorer leur enseignement, puisqu'ils ne sont jugés que sur leurs travaux de recherche. À la limite, l'enseignement, c'est du temps perdu pour eux. Donc il y aurait aussi des réformes à envisager en termes de formation et de sélection des universitaires. Donc ils sont là aussi des réformes institutionnelles. Après, il peut y avoir encore d'autres choses, mais déjà des réformes budgétaires, enfin des améliorations budgétaires et des réformes institutionnelles, ça ne serait pas rien et ça permettrait peut-être de progresser un peu. Et ce qui est arrivé en 2007-2008, cette crise, elle a été plutôt bien gérée parce qu'on a quand même réussi à éviter les trois grandes erreurs des années 30. On a sauvé les banques, c'est très important parce que sinon tout le reste du système économique s'effondre. On a soutenu la demande puisqu'on a fait un plan de relance keynésien à l'échelle de la planète avec 40% de dette publique en plus, mais également dans des pays comme la Chine. Et enfin, on a évité le protectionnisme. Sauver les banques ou pas sauver les banques? Qui c'est qui veut que son argent il disparaisse? Moi, j'en ai pas beaucoup. Mais moi, j'ai aucun intérêt à ce que le peu que j'ai, il disparaisse. Hein. Je suis sûr que vous, c'est pareil. Mais quelle garantie, moi, j'ai que mon argent, il disparaisse pas? Alors, on m'a dit que nos comptes bancaires, ils sont garantis par l'État jusqu'à une certaine somme. Mais si notre pognon, il disparaît de nos comptes parce que la banque, elle a fait faillite, comment l'État, il va trouver les sous pour nous rembourser? Hein? L'État, il va faire comme d'habitude. Il va prendre dans nos fouilles. Autrement dit, notre argent est garanti par notre argent. Excusez, je reviens. Oh putain, quel merdier! Et pour ajouter à la confusion, il circule sur Internet et ailleurs une théorie sur l'argent-dette. Une théorie qui dit que le pognon, il est créé avec rien. Par les banques privées. Mais alors, c'est qu'il faut croire? Lorsqu'une banque privée accorde un prêt à un particulier ou à une entreprise, cette somme d'argent est-elle créée par la banque privée par un simple jeu d'écriture? Non. Quand vous voulez acheter une voiture, souvent vous faites appel à un organisme qui fait du financement de voitures. Ce n'est pas une banque, mais il vous fait un prêt. Mais d'accord. Lui, il a zéro ressource. Il n'a pas de dépôt. D'accord? Donc lui, d'où ça sort ça? Eh bien, il emprunte sur les marchés financiers. Une banque, qu'est-ce que ça fait finalement? Ça prend des gens qui ont de l'épargne et ça la transforme en crédit. La règle générale, c'est que l'épargne est toujours de durée beaucoup plus courte. Si vous avez un dépôt à vue, demain vous pouvez l'enlever. Donc vous avez de l'épargne qui est relativement courte et avec ça, on fait des crédits qui sont plutôt long. La banque, elle sert à transformer de l'épargne courte en crédit plus long. Il y a des règles, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées, mais dans son principe, en effet, le pouvoir de création monétaire est en grande partie dans les banques. Vous voyez, les banques créent de la monnaie. Elles créent de la monnaie en faisant du crédit aux acteurs. Quand le crédit est remboursé, la monnaie est détruite. Le pouvoir de création monétaire est en grande partie dans les banques. Vous voyez, les banques créent de la monnaie. Elles créent de la monnaie en faisant du crédit aux acteurs. Quand le crédit est remboursé, la monnaie est détruite. Mais la dette publique, par exemple, elle n'est pas
financer avec ce genre de crédit. La dette publique, normalement, elle n'est pas financée par justement des apports d'autres finances réelles, si je puis dire. Oui, elle n'est pas... Alors, c'est compliqué parce qu'en effet, c'est des emprunteurs qui, comme vous et moi, si j'ose dire, bien que je n'ai pas de dette publique, des fonds institutionnels qui peuvent détenir des fonds publics. Donc on pourrait dire non, c'est différent. Mais en fait, les banques en détiennent une très grande partie. Mais elles n'inventent pas cette monnaie, enfin, elles ne créent pas cette monnaie avec rien pour financer la dette publique. Si, bah, si, elle la crée en contrepartie de la... C'est comme si elle avait fait un crédit aux entreprises. Elle le fait à l'État et elle émet la monnaie en contrepartie. Donc c'est une manière, c'est un moyen de financement pour l'État de sa dette publique. Derrière les banques, il faut qu'il y ait un épargnant pour détenir la dette. Quand le souverain ou quand l'État émet de la dette, il emprunte. Donc il faut que de l'autre côté de cet emprunt, il y ait un prêteur. Et le prêteur, c'est vous, c'est moi, ou c'est une entreprise qui décide de placer ses liquidités là ou autre chose. Mais il faut qu'il y ait quelque part derrière quelqu'un qui a de l'épargne et qui la place de cette façon-là. C'est pas des banquiers qui créent de l'argent virtuellement ? Enfin, non, non. In fine, non. C'est... Et alors là, vous dites in fine, donc ça crée le doute chez certains qui croient que quand même, même s'ils ont une garantie... Non mais les banques peuvent servir d'intermédiaire, ils achètent la dette quand elle est initialement émise, mais après il faudra qu'ils trouvent quelqu'un pour la détenir. D'accord, c'est qu'un relais. Oui. Prenons le cas européen, la zone euro est une grande zone économique, regardez ce qui se passe à l'intérieur de cette zone. À l'heure actuelle, il y a une création de monnaie absolument considérable, qui n'a pas d'impact. Parce que l'utilisation de cette monnaie, en particulier la demande de crédit de la part des entreprises et la volonté des banques à accorder des crédits n'est pas suffisamment importante. Oui, la masse monétaire créée n'arrive pas en fait directement sur les marchés. Oui, elle est quelque part stérilisée ou éventuellement elle est envoyée sur les marchés financiers. Donc elle va servir à acheter des actions, donc à favoriser l'envol des prix des marchés boursiers. Mais elle n'a pas beaucoup d'impact sur l'économie réelle. Ce qui montre bien que c'est compliqué. Les États-Unis, à l'heure actuelle, viennent de sortir d'une période de très faible croissance, retrouvent maintenant un taux qui est à peu près correct. Maintenant, leur problème, ça va être d'éponger toute la liquidité, toute la monnaie qu'ils ont mis dans le système pour empêcher l'économie de sombrer. Et là, ça devient important parce que s'ils ne sont pas capables d'éponger cette liquidité, là, l'inflation va probablement repartir et il y aura d'autres problèmes qui se poseront à l'économie américaine. Donc là, on voit bien comment à certains moments la planche à billets doit fonctionner mais n'a pas nécessairement des résultats et pourquoi à d'autres moments il ne faut surtout plus faire fonctionner cette fichue planche à billets. Par exemple en ce moment, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas depuis peut-être un siècle. On n'a jamais vu ça. Vous avez des entreprises qui peuvent emprunter sur 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour faire des investissements et qui empruntent à 2% par an. C'est invraisemblable. D'accord, on n'a jamais vu ça. Donc, ça devrait stimuler le crédit. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. D'accord, donc on voit bien que là, il y a un autre problème. Une entreprise pour investir, c'est vrai que le coût du crédit, c'est un élément important. Mais on voit bien que ce n'est pas le seul élément. Il faut surtout avoir des clients à qui on va vendre et avoir une perspective. Avoir des clients pour les produits qu'on fabrique, normal. Mais lorsque les clients ont déjà ce qu'ils veulent, on fait quoi ? Eh bien, on leur dit que leur dernier téléphone, à la mode, n'est plus à la mode. Qu'il y a des nouvelles fonctions technologiques essentielles dans le nouveau téléphone qui vient de sortir. Et c'est super pratique! Mais tous les consommateurs ne sont pas dupes. Et de plus en plus de monde s'aperçoit que cette course effrénée à la consommation n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens, mais il faut quand même avoir un emploi pour payer l'incompressible. Or, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la consommation, coûte que coûte. Sans oublier que la consommation permet de récolter des taxes, et les taxes sont utiles pour régler un certain nombre de problèmes. Il faut régler le problème de la dette, il faut régler le problème des inégalités, il faut affronter les crises écologiques, il faut éviter
que les classes moyennes ne disparaissent parce qu'elles sont le socle de l'économie mais aussi de la démocratie. Donc ce sont des problèmes qui sont majeurs et c'est vrai qu'on voit que la sortie de crise, si vous voulez, la grande différence c'est que la menace était telle en 2008-2009 que finalement les dirigeants politiques, les banques centrales ont été obligés de coopérer parce que chacun avait bien conscience que le système risquait d'exploser. Mais aujourd'hui finalement chacun est revenu à défendre ses intérêts de nation, ses intérêts de continent, ses intérêts sociaux. Et donc, comme la pression, l'urgence, tout ça a diminué, c'est vrai que la capacité de coopérer a malheureusement diminué également. Il y a le rapport de l'homme au monde qui est engagé. L'héritage de l'Occident, c'est un héritage dans lequel l'homme doit dominer la nature, comme dit Descartes, être comme maître et possesseur de la nature. Et je crois qu'en un sens, la financiarisation est le moment ultime de cette domination. Et ce que je pense, c'est que, au-delà de ce moment ultime, nous allons avoir une nouvelle ère, une nouvelle époque, une nouvelle période dans laquelle nous allons apprendre à davantage exercer une relation plus équilibrée avec la nature, avec le monde, avec même l'idée du progrès que nous avons mythifié peut-être trop. Et je pense que ce que vous appelez le vivre ensemble sera à nouveau possible lorsque nous serons moins brutaux, je dirais, lorsque nous aurons moins de brutalité à la fois dans notre rapport au monde et dans notre rapport aux autres. Les gens qui ont fait Tiananmen ou les gens qui ont détruit le mur de Berlin ou les gens qui ont fait le printemps arabe, enfin, ces choses qui sont considérables, c'est en termes éthiques. Ils ont dit c'est scandaleux, c'est immoral, c'est honteux ce que vous faites. Oui, il ne dit pas vous ne défendez pas bien les intérêts de l'économie, de l'industrie lourde chinoise ou n'importe quoi. C'est en termes, appelons ça moraux si vous voulez, je n'emploie pas le mot moral, parce que moral dans le vocabulaire habituel c'est lié au mot social et que justement je veux éviter le malentendu. C'est pour ça que je parle de mouvement éthique. Aujourd'hui les grandes batailles vont se jouer au niveau mondial sur le plan, je dirais, de ce qui est le scandale ou ce qui est éthiquement acceptable et la libération. Le commerce équitable, c'est il faut payer son juste prix au travail réalisé par des producteurs à travers le monde et c'est ce juste prix qui permettra de sortir ces populations de l'aide. L'aide pourra diminuer si le travail de producteur, de productrice à travers le monde est justement rémunéré. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? Ça a l'air d'être quelque chose de vague et de lointain. En fait, ça passe par des pressions pour le profit, par des pressions, des culpabilisations aussi, auxquelles on ne peut pas réagir personnellement, moi j'y crois pas individuellement, mais à travers des modes de fuite ou des modes de recomposition collective, il me semble qu'il y a des façons de, si ce n'est s'en sortir, au moins ne pas se faire écraser. Je ne sais pas si l'économie sociale et solidaire peut empêcher la guerre économique totale. Je pense en tout cas qu'elle peut amortir les effets de cette guerre. Et si effectivement tous les citoyens se mobilisent pour la développer, la questionner éventuellement et l'amplifier, elle peut effectivement servir d'alternative à cette guerre économique totale, qui est quand même dévastatrice. On le sait bien qu'elle est mortifère. Et l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un moyen de donner un peu plus d'espérance dans une société où une partie de la population est prise dans un fatalisme un peu désarmant. Alors, qu'est-ce qui est plus lourd dans la balance? Le respect de la personne humaine et le respect de la nature? Ou le fait d'avoir suffisamment de fric pour vivre décemment à la fin du mois? Étonnant phénomène. Il faut se donner les moyens d'un commerce mondial équitable où nous puissions être en total libre-échange avec les gens qui acceptent les mêmes règles du jeu que nous en matière de droit social et de préservation de l'environnement et taxer ce que nous n'acceptons pas
comme aspect négatif du contenu d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire des conditions de travail pour ceux qui le produisent que nous considérons comme inacceptables ou des conditions de dégradation de l'environnement que nous n'acceptons pas non plus. S'ils se mettent tous pour gagner des parts de marché, à respecter l'environnement et le travail à sa juste rémunération. Est-ce qu'on va quand même arriver à placer nos produits ? Alors là, je dirais, si tout le monde joue selon des règles du jeu équivalentes de respect de l'environnement et de respect du droit du travail, effectivement, que le meilleur gagne et le meilleur s'enrichit un peu par rapport à celui qui est un peu moins bon. Mais ça, c'est la règle de la concurrence et de la compétition, même à l'intérieur de notre pays aujourd'hui. Que vous soyez tout petit artisan ou multinational, eh bien c'est comme ça que ça tourne. Avec des clients, avec des hommes et des femmes, et avec des profits pour investir, former, continuer, exporter. C'est une trilogie magique, client, homme, profit, homme, femme, profit, et qui existe que pour nos amis artisans, pour la CGPME, pour le MEDEF. Donc, si vous voulez, on se rejoint sur des bases totalement identiques. Vous parlez de gagnant-gagnant pour l'économie, mais en économie, ça marche rarement comme ça. Quand c'est les Allemands qui vendent, c'est pas les Français qui vendent. Donc comment on peut en sortir ? Je ne parle pas gagnant-gagnant pour l'économie, je parle gagnant-gagnant pour notre pays et pour les hommes et les femmes, pour le gouvernement et nos organisations. C'est ça que je veux dire. Mais c'est gagnant pour la France en général et pour l'entreprise France. C'est ça que je veux, si vous voulez. Alors qui va perdre dans cette économie-là ? Qui vous voulez privilégier par rapport à... Non, attendez, on se comprend pas. On n'est pas dans la perte, on n'est pas dans le gain. Il faut qu'on prenne des mesures pour que nos entreprises soient en capacité de vendre leurs produits, de les mettre sur le marché, d'avoir des clients et de créer de l'emploi. C'est ça que l'on cherche. Bon, mais alors après, on sera gagnant si on va à l'international, si on fait de l'innovation. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est pas pour des perdants. C'est pas pour des perdants, non, non. Il n'y a pas de perdants, là. Non, il n'y a pas de perdants. Sauf l'entreprise qui se fait piquer son chiffre d'affaires par une autre entreprise. Sauf le salarié qui se fait remplacer ou qui est compressé jusqu'à la maladie. Pourquoi la monnaie est si prépondérante ? Peut-être parce qu'absolument tout est monnayable, tout a un prix. De l'eau que l'on boit à la qualité de l'air que l'on respire, des cailloux que l'on met sur la route jusqu'aux organes humains, tout a un prix monétaire. Et pour assurer notre survie, dans un monde où tout est monnaie, il faut obligatoirement avoir de la monnaie. Ta-ta-tan ! Mais il y a quelque chose d'étonnant dans cet outil monnaie, une chose qui mène systématiquement à la guerre commerciale, locale ou internationale. Disséquons cet outil pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est un outil d'échange, on troque ses services et ses biens contre de la monnaie, et cette monnaie, on la troque ensuite contre d'autres biens et services, ok. Eh bien voilà, j'ai la solution, faire de la monnaie avec des feuilles d'arbres. Comme ça, tout le monde en aura suffisamment pour vivre. Excusez-moi, mais vous voulez troquer mes fruits contre des feuilles d'arbres ? Que chacun peut ramasser comme il veut ? Non, mais vous n'êtes pas en train de me prendre un peu pour un con, là ? Je vais regarder ça de plus près. Ah oui, effectivement, l'outil monnaie doit être suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Ça a été des coquillages, du sel, des métaux, de l'or et des unités électroniques en nombre restreint. Et jamais des feuilles d'arbres. Ben non, c'est trop abondant. D'ailleurs, dès qu'on imprime trop de billets de banque, la valeur de la monnaie est diluée et ne vaut plus rien. Surinflation. Mais pourtant, il y a des milliards et des milliards d'unités monétaires dans le monde. Donc il suffirait de les répartir équitablement pour qu'il n'y ait pas de misère. Non ? Regardez mieux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a beaucoup d'argent sur un marché ? Les prix augmentent. Il y a inflation ! Bah, pourquoi ? Bah, c'est-à-dire que, si ça, vous pouvez le vendre 3 euros. Bon, c'est bien. Mais comme les gens ont suffisamment d'argent, puisque l'argent ne manque pas, pourquoi ne pas vendre ce même produit à 5 ou 6 euros ? Je serais bien con de ne pas en profiter, vu que le concurrent a aussi le même raisonnement. Ah oui, mais ça va pas, là, Je vais mettre un fixateur de prix, là, comme ça. Pas d'inflation, voilà. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe quand on bloque les prix ? Ça développe le marché noir, les trafics lorsqu'on est en sous-production, et la qualité des produits baisse. Bah, comment ça se fait ? Le but est toujours de faire du fric, c'est-à-dire de la marge. Puisque c'est d'avoir du fric qui assure notre survie.
Or, comme les prix sont bloqués, on rogne sur la qualité pour augmenter sa marge. Mais, et la concurrence ? Vous avez déjà vu des concurrences battre pour des parts de marché lorsque la marge n'existe pratiquement pas ? Donc au final, la monnaie doit rester suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Sinon, la valeur est diluée. Logique. Et si un objet, la monnaie, est suffisamment rare, est-ce que tout le monde peut en avoir suffisamment ? Ben non. Si certains ont, d'autres n'auront pas. Oh là 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 là. Ça veut dire que tant qu'on utilisera de la monnaie, il y aura de la misère. La monnaie génère le non-accès, génère la misère. Mais on ne m'a jamais appris ça à l'école. Est-ce qu'on apprend que la monnaie doit être suffisamment rare pour avoir de la valeur et que pour qu'elle soit suffisamment rare, il ne faut pas que tout le monde en ait suffisamment? Ouh là là, c'est très compliqué là, ce que vous venez de me dire. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça et je ne suis pas sûr non plus de savoir exactement ce que signifie pour que la monnaie ait de la valeur. Il est vrai que ce soit dans le contexte de ce qui est valorisable ou de ce qui est difficilement valorisable, que la rareté est précieuse. C'est ça qui fait l'originalité, c'est ça qui fait qu'on se bat pour cela. Et il est vrai que le problème de la résolution de la pauvreté est un problème de résolution de masse, au sens où on veut des solutions qui s'appliquent à tout le monde. Il y a une réelle difficulté. On a des modèles mathématiques intéressants sur la distribution, répartition des richesses telles qu'elles sont dirigées de manière un peu spontanée par le marché sans régulation, fameux équilibre de distribution de Pareto qui est extrêmement inégalitaire. Et quelque part, je dirais, on a plein d'exemples qui montrent qu'en l'absence de catastrophe ou en l'absence d'action dirigiste allant en sens contraire, on évolue spontanément vers quelque chose de très inégalitaire. D'ailleurs, les sociétés inégalitaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a eu depuis, ça fait des millénaires, des choses monstrueusement inégalitaires. De temps en temps, il y a des révolutions, mais l'humain est capable de supporter une dose d'inégalité assez considérable. S'il s'agit de résoudre ça, la première condition, c'est d'en prendre conscience. La deuxième condition, c'est d'intégrer cette problématique, de parler au plus grand nombre. Il s'agit principalement, je dirais, d'une redéfinition d'objectif. Redéfinir l'objectif. C'est vrai ça. On court, mais pourquoi on vit ? Le problème du bonheur, c'est qu'il est difficilement quantifiable. Justement, avec la diversité, chacun doit trouver son propre bonheur. Or, le système économique a plutôt tendance à dire « ça, c'est votre bonheur » par la publicité, par différents moyens, et à imposer la normalisation parce que, évidemment, économie d'échelle, etc. etc. Donc, est-ce que l'avenir de l'humain, c'est de changer carrément de modèle de société économique, et là on parle plus de capitalisme, de socialisme, d'autres choses, mais carrément changer? Tout à fait. On doit changer. Tout le monde s'accorde pour le dire, mais comment est-ce qu'on change? Aujourd'hui, on ne peut plus supporter, je vais être extrêmement formel dans ce que je vais dire là, toute économie qui fait du profit sur la destruction de la nature ou sa surexploitation est impossible à continuer. Donc demain, il faudra passer d'une économie totalement anthropocentrée comme elle est aujourd'hui à une économie beaucoup plus écocentrée. Et là, on revient à des notions un petit peu différentes. Oui, certainement, vivre beaucoup mieux en consommant moins, en mangeant moins de viande, moins de poisson. C'est absolument fondamental. Donc c'est ça, en fait, que je mets en avant aujourd'hui, être capable de redéfinir quelque chose. C'est pas du tout la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, certainement. Je crois que nous sommes déjà dans une ère post-capitaliste. Et que donc nous allons devoir, nous sommes dans un changement de civilisation. La connaissance, c'est comme l'amour. Plus vous en partagez, plus vous en avez. C'est le contraire du capital. Donc nous sommes dans une logique inverse de celle du capital. On a certaines pièces du nouveau puzzle qui apparaissent, mais il y a encore des trous. Le problème financier de toujours être rentable, de toujours être compressé par tout un tas de paramètres à la noix qui n'ont presque plus rien à voir avec votre travail. Est-ce que la solution, soyons fous, ce serait pas de vivre dans une société sans argent mais avec du travail?
Vous êtes un utopiste, vous. Bien sûr que l'idée de vivre dans un monde sans argent et où on ferait que travailler uniquement pour s'amuser, ce serait formidable, mais trouvez-moi le pays dans lequel ça se passe comme ça. Par passion quand même, pas obligé l'amusement. Par passion, mais trouvez-moi le pays dans lequel on travaille sans argent. Il faut qu'on finisse par se rendre compte dans quel cauchemar on est en train de vivre. Alors si on dit aux gens, écoutez, essayez simplement, oubliez tout, simplement, je vous dis la chose suivante, demain on se réveille et il n'y a plus d'argent. Bon, comment est-ce que vous allez concevoir, comment est-ce que vous allez vivre ça? La plupart des gens disent, bah, ce serait une libération, les gens disent quand même, ce serait une libération, oui. À peu près tout le monde. Et je dis, vous n'auriez pas l'impression qu'on sort d'un cauchemar qu'on s'est auto-imposé? Et en fait, c'est ça, c'est un cauchemar auto-imposé. Père, sans argent, on fait comment? Chacun exerce sa vocation gratuitement, pour les autres, sans quantifier. Là, on a un enthousiasme quand on n'a pas d'obligation à faire quelque chose. C'est à partir de là qu'on donne le meilleur de soi. Et si chacun exerce sa vocation gratuitement, qui ferait les tâches que personne n'a envie de faire? Eh ben, on serait bien obligé de tous mettre les mains à la pâte. Celui qui ne voudrait pas mettre les mains à la pâte risque de se retrouver un petit peu seul dans une société où il ne peut pas payer pour obtenir quelque chose des autres. Moi, je vous conseille, dans un monde sans argent, de vous mettre à niveau égal des autres. N'essayez pas de dominer ni de profiter des autres. Vous allez vous retrouver tout seul et complètement démuni de toute possibilité. La liberté est très, très, très protectrice. J'ai voulu essayer de voir ce qu'on pouvait faire en retirant l'argent sur 3 jours, donc sur un festival, voir comment les gens s'organisaient. Qu'est-ce qui allait se passer si l'argent n'était plus là dans nos échanges? Et alors, c'est le chaos, c'est quoi? Et alors, c'est plein de choses à la fois. C'est à la fois génial parce qu'il y a des choses qui émergent qu'on ne soupçonnerait pas. Et en même temps, c'est aussi d'accepter que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes limites, les mêmes liens ou les mêmes notions du respect. Voilà, c'est apprendre à composer les uns avec les autres, mais c'est aussi revenir à des choses simples. C'est apprendre à être humble, à dire, ben oui, là, j'ai pas réussi, là, ça marche pas. Voilà, mais j'ai fait de mon mieux. Et puis, il y en a d'autres qui sont là pour prendre le relais. Et ça, c'est génial, parce que du coup, si on accepte à un moment donné de demander de l'aide, eh ben, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc, ça, c'est génial. L'homme n'est pas un loup pour l'homme? Non, je crois pas. En entretenant ce mythe-là, on crée des traumatismes qui vont effectivement générer des personnes qui vont être un souci pour la société. Par contre, si on essaye de rappeler à la personne toutes ses capacités qu'elle a en elle, tout ce qu'elle est capable de faire, je pense qu'on résoudrait pas mal de problèmes et que du coup, il y aurait beaucoup moins d'hommes qui soient des loups pour l'homme. Pour faire circuler une économie comme ça, il suffit d'informations. C'est-à-dire si j'ai un sac de patates chez moi, mais que je ne sais pas que vous crevez de faim à côté, je ne vais pas vous le donner parce que je ne suis pas au courant de votre situation. Il y a besoin de cette information et il y a besoin de la motivation. Donc, générosité, on donne, on peut demander aussi, mais c'est important de donner en premier. Et le fait de donner, non seulement ça me fait plaisir à moi, ça me rend heureux d'être utile, ça me valorise, et ça rend heureux l'autre puisque je lui donne ce dont il a besoin. Voilà, c'est tout. Et si on arrive à créer un système comme ça, ça crée de la bonté. Au lieu de créer de l'égoïsme et de l'avidité et de la peur, ça crée de la bonté, de la joie et de la bonne humeur. Voilà. Ça interpelle, ça crée du lien, mais est-ce que pour autant ça peut faire société? Oh, je pense que oui, on a bien démarré tout à l'heure à la pause repas. Cette année, les gens qui sont là, ils ont vraiment une envie d'avancer dans cette idée de construire un monde sans argent. Et ça fait du bien. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont réalisables et on va les réaliser ensemble.